Pendant que les négociations avec les employés du secteur public font du surplace, le gouvernement de la CAQ va octroyer une subvention entre 5 et 7 millions de dollars aux Kings de Los Angeles pour qu'ils viennent terminer leur camp d'entraînement en octobre 2024 à Québec. Dany, c'est une décision qui fait beaucoup réagir aujourd'hui. Ah oui, Julie, c'est l'initiative du gouvernement Legault. C'est le ministre Éric Girard là, qui l'a annoncé ce matin ici au Centre Vidéotron. Alors effectivement, deux matchs pré-saison des Kings de Los Angeles contre les Bruins de Boston et les Panthers de la Floride. Également, deux entraînements qui seront ouverts au public du 2 au 6 octobre 2024, l'année prochaine. Et le ministre Girard a défendu cette subvention en disant que ça allait engendrer des retombées économiques pour Québec, qu'il allait avoir toutes sortes d'activités autour de ça. Mais ça ne convainc pas les oppositions qui dénoncent vivement. On dit que c'est insensé, cette dépense, dans ce contexte économique difficile. Pour tenir cet événement, il y aura une subvention.